Hey, yo tout le monde! Et ici Crio pour une petite ouverture aujourd'hui à nouveau. Et la dernière fois, j'ai vu que vous aviez pas mal apprécié l'ouverture Génération. Bah, du coup, je me suis dit, en attendant que mes grosses ouvertures pour le mois arrivent, parce que j'ai fait des grosses commandes, donc on va avoir des belles ouvertures ce mois-ci. En attendant que ça arrive, bah, je nous ai pris encore quelques boosters Génération parce qu'on avait des belles sorties. Du coup, bah, j'ai pris, donc on a en tout, on a 6 boosters, donc on a un Pikachu, un Florizarre, deux Tortank et deux Dracaufeu. Voilà, donc on va ouvrir ça tranquillement ensemble. Allez, c'est parti. Donc on va peut-être commencer de droite à gauche, parce qu'il paraît que Dracaufeu et Tortank, c'est ceux qui rapportent le plus de bonnes cartes, donc on va peut-être mettre, voilà, comme ça. Et on va commencer tout de suite par Pikachu. Allez, c'est parti, je vous fais un petit zoom. Voilà. Et on est parti. Petite ouverture de booster. Ah, ça fait plaisir parce que ça fait. Ouais, je vous ai laissé pendant une semaine sans ouverture ni rien. Mais malheureusement, bah, j'étais assez occupé. J'ai pas mal de choses à faire. Et puis surtout, bah, j'avais pas de quoi. Pas de contenu vraiment à vous proposer. Alors, du coup, c'était 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. J'avais pas vraiment beaucoup de contenu à vous proposer, donc je préférais encore ne rien sortir plutôt que de vous sortir n'importe quoi. Allez, ouais, je sais, c'est. Des fois vous vous dites non, on préfère avoir n'importe quoi, mais je préfère rien. Je préfère ne rien vous promettre parce que sinon après c'est du contenu pourri. Allez, donc Chenipan, Krabi, une énergie obscure, un Raikou, un Crustabri. Oh, j'ai foiré l'ordre de mes cartes parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le même ordre. Je vais. Décidément. Alors. Normalement, on a. Donc, on a 1, 2, 3, 1, 2. Tac. Bon, écoutez, c'est pas grave, je sais plus l'ordre. Allez. C'est vrai que les générations sont différentes. Et hop. Donc, on a. En RC, passe rouge. Persian en peu commune. Et donc, en fait, la rare, elle sera quand même au fond. Monsieur Mime et Sucroquin. Oh! Oh, gros Lennex! Oh oui, ça commence. On commence très bien, on commence très bien. Du coup, je. Alors attendez, l'ordre. Oula, attendez, je vais tout de suite me. Oula, je vais tout de suite mettre ça dans une pochette. Voilà. Parce qu'il faut garder les cartes intactes le plus possible. Voilà. Comme je vous l'ai appris. Oh là là. Et attendez. Elle est nickel. Elle a aucun pet. Déjà, c'est magnifique ça. Ok. Donc écoutez, on commence très très bien. On commence très très bien. On commence très bien. Donc attendez, pour l'ordre des cartes, pas que je me trompe. Donc maintenant, actif booster Florizarre. J'ai déjà plus l'habitude, vous voyez, une semaine sans faire d'ouverture et voilà, c'est bon, je suis perturbé, je suis perturbé. Voilà. Enfin, ça fait presque 2 semaines maintenant. Oh là 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 là. Alors, hop. Donc on a 1, 2, 3. D'accord. Donc alors, attendez, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on a. 1, 2, 3, tac, on les met devant, et voilà. Ok, on est bon, oh là là, c'était compliqué. Alors, une couronne florale, on n'avait pas encore ça. Imakuni, une carte des plus what the fuck que j'ai pu voir, et que. Mais j'adore ce genre de bêtises. Entretien, tac, Ponyta, Mélofée, Chenipan, Paras. Wow, une énergie plante en reverse, magnifique, j'aime beaucoup. Oh! Oh là là! Ouh, elle est belle! Ouh, que c'est beau! Oh là là! Une RC, alors c'est la RC, oh c'est une ultra rare RC Pikachu Full Art. Oh, oh là 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 là! Et derrière, on a. Oh, et un Grolem holographique. Oh, il est beau! Oh, il est beau! Oh, j'aime beaucoup! Mais waouh, c'est quoi cette ouverture? Et du coup, bah, le Florizarre, il est pas si malchanceux, hein. Du coup, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, on va tout de suite le mettre dans une petite pochette. Voilà. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Par contre, il paraît qu'elle n'est pas très dure à obtenir. Donc, bah écoutez, moi je l'avais pas encore. Donc, ça fait plaisir. Frotte Frimousse, vive attaque. Il est vraiment super cette carte. J'aime beaucoup. Allez, et bon, bah du coup, ça nous fait déjà 2 ultras. 2 ultras, 2 boosters. Bah écoutez, c'est bon, hein, on a que du bon. Pikachu et Florizarre nous aurons porté chance. Allez, la suite. Alors, tac. Donc maintenant, Dracaufeu. Alors, 1, 2, 3, je mets devant. Alors, c'est bon. À force, je commence à choper le truc. Alors, Raichu,
Raichu, c'est parti, tac. Fan Club Pokémon, Machoper, Magikarp, Ponyta, Rhinocorne, Meowth. Waouh, à nouveau une énergie en reverse. Alors, j'aimerais bien les avoir toutes. Franchement, c'est des. Je trouve que c'est des très belles cartes. Celles-là, j'aimerais beaucoup les avoir toutes dans ma collection. Wow. Excusez-moi, j'ai peut-être un gueule un peu fort, je suis proche de la caméra. Waouh, elle est super belle cette carte! Oh là là! Oh, c'est magnifique! Oh là 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 là! Et derrière, il y a quoi? Oh là 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 là! Oh là là, Dracaufeu X et Nymphali X, deux X dans le même paquet! Oh là là, le booster Dracaufeu de la chance! Regardez-moi ça! Oh, magnifique! Attendez, attendez! Oh là là là! Attendez, tout de suite chercher des pochettes! Oh là là là! Doucement, doucement! Oh là là! Ah là, c'est le petit trésor de la journée là! Alors, attendez, on va les regarder en détail dès que je les aurai mis sous pochette. De toute façon, les pochettes sont complètement transparentes, donc on ne rate rien de la carte, même sous pochette. D'ailleurs, pour ça, j'adore ces pochettes-là de Ultra Pro. Franchement, si vous devez avoir des pochettes pour la collection, achetez celles-là, elles sont bien mieux. Mais waouh, alors l'état nickel. Et donc la carte, oh, Dracaufeu X. Oh là 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 là. Oh, et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? 3 paquets, 4 ultras. Oh, et là, pareil, derrière, elle est nickel, elle est nickel. Regardez ça. Oh là là, cette ouverture. Ah, cette ouverture. Ah, cette ouverture de la chance. Oh là 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 là. Ah, j'en perds un peu mes mots là. Ah, c'est super beau. Ah, il veut pas s'ouvrir comme ça. Allez, on le voit comme ça. Allez, allez. Dracaufeu, il nous a porté chance. Allez, allez, continue de nous porter chance, mon grand. On compte sur toi. Alors, tac. Donc 1, 2, 3, on les met devant. Voilà. Et à nouveau, une couronne florale. Dame du centre Pokémon. Ah, j'aime beaucoup. Ah, l'illustration, elle est belle. Ah, c'est mignon. Ah, c'est tout beau. Lem, lui, c'est de XY, le fameux. Ah, je crois qu'il suit Sacha dans l'animé, parce que je ne suis pas du tout. Je ne suis plus du tout l'animé. J'ai plus trop de temps pour ça. Doduo. Chenipan. Coquillasse. Énergie plante, le maillet écrasant en reverse. Oh, c'est pas mal. J'aime bien, elle est belle cette carte aussi. Ensuite, on a. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Oh là là, le reverse. Non! Non! Oh là 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 là. Oh. Ouh là là, ouh là là. Sortez le défibrillateur. Ouh là là. Bon, je crois qu'on a un problème là. On vient de défier l'espace-temps. en plus, la Aquali X, quoi. La carte, je crois que c'est la carte que je voulais le plus de tous les boosters génération. C'était la carte de toute l'extension génération. C'est la carte que je voulais. Et je la reçois, mais en bonus avec. Oh là là. Pff, oh là, attendez. On va souffler. Allez, inspire par le nez, expire par où tu peux. Voilà, ouh, oh là là, oh bah attendez, voilà, regardez, je vais vous la montrer en détail. Oh là là, cette carte, je crois pour moi, enfin moi qui, Macaulay, mon Pokémon préféré de toutes les générations, et je vous dis que franchement, pour moi, cette carte est une beauté. Ah là, elle va être en top de ma collection, de ce qu'on a maintenant. Oh là là, oh, je vais la chouchouter celle-là. Oh là là, magnifique. Et le Pikachu, bah on l'a déjà vu avant. Voilà, oh là là, oh là. Il nous reste encore deux boosters. Il nous reste encore les deux Tortank qui sont réputés les plus chanceux. Oh là 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 là. Oh là là, attendez. Allez. Allez. Oh là là. Allez, on inspire. On ouvre ce booster. Et on chope les ultras. Allez. Ah, je suis tellement heureux. Ah, je vous dis pas. Et en plus, c'est génial. Bah, du coup, je peux le partager avec vous, ces moments-là. J'adore. 1, 2, 3. Hop. Allez. Ah, le Reptincelle de RC. J'adore parce qu'on avait déjà Dracaufeu dans les dernières ouvertures et maintenant on a Reptincelle du coup. J'aime beaucoup ces cartes comme ça. On peut voir le dresseur avec son Pokémon qui grandit avec lui. Je trouve ça tellement, tellement beau.
Maille écrasant, on l'a déjà en reverse. Match Hopper, qu'on a vu tout à l'heure. Krabi aussi, on l'a vu tout à l'heure. Une énergie obscure, qu'on a vu aussi tout à l'heure. Le Raikaiou. Et là, on arrive. Ah non, pas encore la reverse. Nosferapti. Rhinocorne, reverse. Oh, Timmy. Timmy en RC. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ah, j'adore. Et Galopa, Galopa, juste en rare. Non, pas, elle est pas en holo. Ok. Bon bah du coup Tortank qui nous, Tortank, tu es décevant. Enfin après, par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure, mais waouh, waouh, les, oh mais la chance quoi. J'en reviens pas en fait, je perds un peu mes mots. C'est vraiment dingue. 1, 2, 3, on les met en dessous, tac. C'est vraiment dingue cette chance qu'on a eue. Oh. Allez, on pourrait peut-être encore avoir une petite ultra, hein, on n'est pas contre. Alors, Germignon, Match Hopper, donc c'est le dernier paquet, hein. Mélodelphe. Pas mal, Mélodelphe. Magmar, j'aime bien Magmar. Énergie métal. Ah non, c'est pas la reverse encore. J'aurais aimé l'avant reverse, c'est une très belle énergie. Pikachu, Pikachu, Frodfrimousse. Ah, c'est les mêmes attaques que sur la version RC. Et là, on a la reverse, donc entretien. Ah, le fameux Dracaufeu qu'on avait déjà eu la dernière fois. Et. Ouh, oula. Et Léviator en rare, que je n'avais pas non plus. Donc au final, c'est pas grave. Hein. Mais waouh. Alors, c'est cette ouverture aujourd'hui. Alors. Attendez, on va faire un petit récapitulatif là. On a sorti que 6 boosters. On a sorti que 6 boosters. Et pourtant. Et pourtant, regardez. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai failli faire tomber des cartes. Je vais dézoomer. Je vais dézoomer un peu. Tac, 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 tac. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tac, tac, tac. Tac. Mais voilà quoi. Regardez ça. Oh, c'est pas possible. Regardez-moi ce tas d'ultra rares. Il y a même plus d'ultra rares que les boosters, que le nombre de. Ah non, c'est autant que le nombre de boosters qu'on a eu. Oh là là là. Écoutez, c'est magnifique cette ouverture. Je suis vraiment content. Mais surtout le Aqualie Nymphali là. En plus, Nymphali, mais. Elle est vraiment belle aussi, hein, cette carte. C'est fou. Oh. Oh là là. Ah, je suis vraiment comblé là du coup. En plus, en plus, je ne pensais pas du tout avoir quelque chose d'énorme. Pour moi, c'était juste une petite ouverture comme ça en attendant vraiment les grosses ouvertures du mois. Mais oh, quelle surprise. Oh là là. C'est magnifique. Et je suis content de l'avoir partagé avec vous du coup. Sur ce, ben, écoutez, n'hésitez pas à commenter. Hein. Dites-moi si vous aussi vous avez autant de chance sur les boosters génération. Hein. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein. Moi, comme ça, je sais si vous avez apprécié la vidéo. Et ben, je vous ferai d'ailleurs. Plus il y aura de pouces, bien sûr, bah, plus forcément il y aura d'ouvertures. Je ferai des ouvertures spéciales aussi, un peu plus conséquentes, justement pour genre les 100 abonnés, 200, etc. Voilà, pour les paliers d'abonnés, etc. Et bah, écoutez, je vais ranger tout ça dans la collection et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!